It's gonna be a party, y'all. How I feel. And I won't build my world around you, cause I can't live my life without you. Salut les filles. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui In extremis. Pour une toute petite vidéo fashion, vous le savez si vous avez regardé mes stories à l'instant, je viens de vous partager de la bonne musique. Je vous remets mon Instagram juste ici. Si vous loupez les stories, vous loupez big time. Bah, je le disais donc à l'instant en Insta story, une toute petite vidéo fashion. Et en musique, malheureusement, parce que vous le savez, et il y a des travaux à l'extérieur. Je viens de vous partager les bruits de perceuse et de que sais-je. En fait, c'est pas la perceuse. C'est la soudeuse, les machines qui font des étincelles, elles sont en train de souder quelque chose, que sais-je, d'accord, de couper du fer, ça fait des étincelles, bref. C'est la meuleuse. Bon. What? Bon. Pour autant, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, je le disais, in extremis, faute de quoi on aurait passé un dimanche sans vidéo et c'est exclu. Une toute petite vidéo fashion, donc la November fashion, mais une fois n'est pas coutume. Une toute petite vidéo parce que, évidemment, j'attends, tout comme vous, les promos du Black Friday. Donc, j'ai acheté certaines choses. J'ai reçu des choses qui auraient presque pu faire l'objet de la vidéo du mois dernier que j'ai mis de côté pour vous les partager. Des updates, quelques updates, justement, de la vidéo du mois dernier, de la October Fashion, que je vous rattache juste ici. Mais quand même des pépites, des choses qui viennent de l'étranger, donc des pépites. D'accord. Ah oui, et autre chose, j'aurais vraiment aimé attendre les opérations du Black Friday parce que je suis absolument certaine que ce sont des produits qui vont être très fortement soldés. Mais ils ont fait l'objet d'une lucha, la fameuse technique du tigre nocturne, toutes les nuits pendant presque 3 semaines. Donc au moment où je les ai attrapés en full price, c'est pas grave, je sais que je les rachèterai quand il y aura les opérations du Black Friday pour les offrir, mais là pour moi je les ai attrapés en plein tarif, donc je vous les partage. Une toute petite vidéo qui va devenir peut-être une petite demi-heure, peut-être pas plus, en tout cas. Donc je commence, je le disais, avec quelque chose qui vient de l'étranger, Amazon USA, parce que vous le savez, je suis évidemment Amazon Fashion Europe, mais je suis également Amazon Fashion, la tête, les US, d'accord. Et il y a 7 photos qui est parue sur leur compte. J'ai l'impression que je ne me tiens pas bien. Il y a 7 photos qui est parue sur leur compte et celles et ceux d'entre vous qui me connaissent à peu près savent sur laquelle de ces tenues j'ai jeté mon dévolu. TikTok, TikTok, je vais mettre le timing. La robe orange que voici. Ah, excuse me. La robe orange que voici. Et donc, je l'ai attrapée. Et je l'ai attrapée à un prix complètement ridicule. Je crois que c'était $30. Et je la trouve absolument magnifique. Et j'entreprends de la porter, j'envisage de la porter, comme la demoiselle, là. Avec une botte crémière, les petits looks, peut-être une ceinture, je sais pas. Les petits looks. Elle est magnifique, je la trouve magnifique. Elle est simple, mais magnifique. Le tissu est très agréable. Et évidemment, la couleur, la shape, la forme de la robe, et évidemment la couleur. Tu sais, je commence à peine et j'ai déjà soif, c'est pas normal. Parce que le pire dans tout ça, c'est qu'ensuite de cette vidéo, je vais commencer à tourner le gift guide. Qui, vous allez le voir, va tourner en plusieurs épisodes. Qui va faire l'objet d'une seule vidéo, mais qui va faire l'objet de plusieurs tournages, des tournages multiples. Bon, oui, et je suis pas coiffée. Mais maintenant, vous savez, genre maintenant, vous savez, je vous renvoie à cette vidéo, que vous n'avez pas beaucoup regardé ma routine capillaire, c'est dommage, parce que en sus du discount de Folie qui court encore là, qui court jusqu'au 2 décembre, que je vous remets en barre d'infos, 35% sur toute la gamme Gros Gorgeous. En plus de ce super discount, il y avait vraiment des astuces et des choses. Et des produits inconnus au bataillon et de la gruge et tout. Bon. Bref, première pièce. J'ai hâte de la porter. J'espère que j'en aurai l'occasion. Mais si ce n'est le cas, je la mets à la maison, je préfère vous dire une chose. Moi, je me fais les potes. Je mets des chaussures à talons et je suis là, je zone. Ou je zone pas, je me regarde dans le miroir et je suis bien. J'ai les petits looks. Bah. Voici pour cette première pièce. Et j'ai bien suivi. Bon, il va y avoir du Zara.
la plupart des updates que je vous partage relèvent de chez Zara. Donc j'ai attrapé ce petit quelque chose de qui est une pièce unique et monique, qui est une espèce de top fendu sur une dissymétrie. What? Bon, il est fendu sur le côté, d'accord. Voilà ce qu'il donne porter. La photo de chez Zara, comme à l'accoutumée, n'est pas extrêmement parlante, mais moi je vois le petit look. Déjà, j'ai adoré la couleur. Bon, ça, moi j'adore la couleur. Et dans ma tête, je vois les petits looks. Tu vois les petits looks. Donc j'ai attrapé ça chez Zara, mais je vous le dis entre nous, j'attends Zara, j'ai un panier. Avec Nas, on fait des paniers de multimilliardaires. À la veille des soldes, des Black Friday et tout ça, on fait des paniers de folie dans l'espoir pour voir laquelle de nos pièces target, cible, sera touchée par le discount. Donc là, je préfère vous dire une chose, mon panier chez Zara, il est là, d'accord. Mais je préfère vous dire une chose, à la December Fashion, je vais vous... Là, il va y avoir des chances de folie. Si j'arrive à attraper les discounts, vous savez que j'ai l'œil de l'ex pour attraper les pièces. Donc en attendant, voilà, j'ai attrapé ceci chez Zara. Le prix au départ, c'était 25€, donc j'ai dit, bon, je ne vais pas nécessairement attendre le Black Friday. J'espère qu'ils vont jouer le jeu Zara avec le Black Friday. Croisez les doigts. Et chez bien suis. Alors chez Zara, voilà, justement, un update de ce dont je vous parlais la semaine dernière. Je vous avais partagé à l'écran, pas la semaine dernière, pardon, lors de la October Fashion. Je vous avais partagé à l'écran un pull magnifique que j'avais repéré chez Zara. Un pull à épaules de très très forte inspiration Isabelle Marant, comme ça, que je trouvais magnifique, mais dont je déplorais la longueur. C'était un espèce de pull crop et de manière non justifiée en plus. Il existe des tonnes de hauts dont je comprends le raccourcissement. Il ne me paraît pas inopiné. Ce sont des top crop et c'est très bien comme ça. Mais ce pull là, je ne comprends pas en fait. Pourquoi ils l'ont fait si court? J'avais laissé tomber, c'est ce que je vous avais indiqué dans la October Fashion. Et en fait, je l'avais plus ou moins mis dans mon panier, d'accord. Et à chaque fois que j'allais dans mon panier, ben, je le voyais, je me disais, mais ma Z, c'est tellement dommage. Je vois les petits looks, je vois vraiment le petit look. Avec une casquette, une botte, un jean slim gris qui laisse entreapercevoir le haut de la bottine, le look, hein. Et je l'ai acheté, d'accord. Donc le voici. Il est trop beau. Il est beau de ouf. Je vous mets là à l'écran. Donc ce que j'ai entrepris de faire pour pouvoir le porter, parce que moi il est absolument exclu que je porte ce type de pull en dévoilant le ventre. Ça c'est... Et c'est non. Non et définitive et permanent et catégorique. D'accord. C'est non. Et c'est non. Donc ce que j'ai fait, toujours chez Zara, j'ai attrapé cette camise. Une petite camise mignonne en popeline. En popeline, voilà, qui a coûté 25€. Et j'ai adoré la couleur. Et les deux portés ensemble, c'est très mignon. Donc exactement le même petit look que j'avais à l'esprit. Sur un jean slim gris. Pas destroy, parce que j'aime pas les jeans destroy, mais un petit peu vintage comme ça. Très, très slim. Pas très long au niveau de la cheville, qui laisse vraiment deviner la bottine qui grimpe sur le mollet, n'est-ce pas? Vous savez, les bottines un peu chaussettes là. Et ben je suis contente. C'est une bonne alternative. Évidemment, dans l'idéal, j'eus préféré qu'il soit à la longueur humaine et normale et classique. D'accord. Mais bon, et je sais pas si vous avez remarqué chez Zara, il y a des tonnes de pulls magnifiques qui sont tous courts comme ça sous le soutien-gorge. Qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? Comment? C'est dommage. Seigneur Ortega, Inditex, por favor, qu'est-ce qui se passe? Bon. En tous les cas, en Chumika, ça m'aura fait créer ce petit duo qui fonctionne bien. Donc voici pour Zara. Je suis bien suivie. Ah bon, ben voilà, là c'était voilà le date. Vous vous souvenez, dans la October Fashion, je vous ai partagé le dernier né de la très large, désormais très vaste gamme des pantalons 7/8e. À taille haute, ceinturée, n'est-ce pas, que vous savez, j'ai la chance de posséder dans quasiment toutes les couleurs qu'ils ont sorties. Ils avaient sorti le burgundy et j'avais attrapé la veste. Ça faisait un blazer, vous vous souvenez, je vous mets une photo ici. Sauf que, je l'indiquais là encore, je ravote, parce que c'est pas ma faute, c'est eux qui persistent. J'avais attrapé le blazer pour en faire un suit, parce que vous savez que je suis Madame Suit.
et pour une raison que j'ignore, moi ma taille classiquement en haut c'est du M. Ces derniers temps, la plupart des blazers que j'ai achetés chez Zara relèvent du small. Moi je ne fais pas small, jamais de la vie, d'accord. La plupart des blazers slash vestes slash pour un manteau que j'ai acheté dernièrement chez Zara, c'était du small. Et ben là c'est tout l'inverse, c'est du L. Et les filles, je vous avais dit, je suis en train de guetter le L, il me faut le L, impossible de l'attraper. Là c'est pareil, le tigre, by night. Moi il y en a un qui me dit, mais t'as pas fini. Je dis, mais je surveille les news sanitaires, arrête, laisse-moi, tu me laisses. Vraiment penser que je suis folle, ce qui est pas complètement fou, d'accord. Mais vous et moi, on connaît la passion de la fashion. Lui, je guettais le jour et la nuit. Elle revenait pas. Elle revenait dans le vert, parce qu'elle existe également dans le vert, un vert sapin comme ça balance, que moi je n'ai pas l'intention d'attraper, mais que j'ai trouvé pas mal. Mais elle revenait pas dans le. Et j'ai une sista, si tu regardes ceci. Ma poupée en Allemagne, je te fais un gros bisou. Elle habite en Deutschland, en Allemagne. Elle m'a dit, Sabrina, si tu veux le blazer, nous, on a eu un réassort dans le L. Je sais que tu cherches le L. Je lui dis, oui, oui, prends-le. On a commencé à prendre des dispositions pour qu'elle l'achète. Comment est-ce que tu vas me l'envoyer, le remboursement, nanana. Et le jour même, je pense, ou le lendemain, il est arrivé dans le L. Donc, je lui ai demandé de laisser tomber. Et j'ai réussi à l'attraper. Et je suis contente. Donc, maintenant, j'ai le suit dans la bonne taille. Donc, le pantalon, c'est du médium. Et le blazer, c'est du large. On n'a jamais vu ça. Mais que voulez-vous, ma bonne dame, chez Zara, le sizing devient... c'est le plouf-plouf. Et ça coïncide, malheureusement, avec le moment où il nous est impossible de nous rendre en magasin pour essayer les vêtements. C'est un petit peu ballot. Je préfère vous dire une chose. Le jour où on a accès au magasin physique, je ne vais pas nécessairement aller faire du shopping dehors, mais j'ai besoin de percevoir quelques remboursements, là. J'ai besoin de rendre quelques pièces, au pluriel. Bon, donc je suis contente, j'ai le blazer, je suis super contente. J'ai vu des gens, le Zara dans ma ville, lors du confinement précédent, il y avait la queue comme ça, des gens qui faisaient la queue devant le Zara, une queue vraiment impressionnante. Et j'ai vu et entendu des gens dire, mais franchement, est-ce qu'il n'y a pas plus important dans la vie que de... Mais il y a les remboursements. Il y a tous les remboursements, il y a toutes les pièces qu'on a achetées pendant le confinement qui ne conviennent pas et que donc on doit rapporter pour récupérer les sous-sous. Donc je serai de celles et ceux qui feront la queue devant Zara quand ça va réouvrir. Bien entendu, bien sûr, j'essaie d'y aller à la première. Donc, je bien suis. Donc, pour boucler la boucle de ce dont je vous avais parlé la semaine dernière, j'arrête pas de dire la semaine dernière, dans la précédente vidéo, cette fameuse photo là encore où la nana nous avait sorti le bas de jogger en cuir badass avec une tête longue, hein, je vous avais indiqué que j'avais acheté le médium, mais que la coupe veut qu'il soit porté large, d'accord, loose. Mais j'avais quand même trouvé que le M était peut-être un petit peu trop loose. Alors que le pantalon est encore neuf, il n'a jamais été porté, d'accord. Et je vous avais dit, je pense que le S aurait convenu peut-être davantage. Et considérant le prix, c'est du cuir, donc c'est un pantalon qui coûte quand même 129 €. Je ne voulais pas rester dans le doute. Et j'ai bien fait, j'ai commandé le S. C'est pour ça que je vous dis là, j'ai hâte que tout ceci réouvre. Je vais y aller mettre le masque, hein. Je rends mes trucs et je rentre à la maison. Mais là, j'ai besoin de rendre les trucs. J'ai attrapé le S. Que voici. Donc ça, c'est le M. Je fais attention parce que sinon, les étiquettes vont se décoller. Ça, c'est le S. Et in fine, au final, je vais garder le S. Parce qu'il me donne la même vibe de jogger, de bas de survêt, la détente, le petit look, relax, mais casual, mais habillé. Il est large. Mais pas trop large. L'autre, c'était trop large. Et je l'ai dit, la particularité de ce pantalon, c'est qu'il n'est pas du tout élastiqué à la cheville. Il est flair. Donc, il faut vraiment le S. Si vous prenez ma taille comme référence, il fallait vraiment le S. Donc, je ne sais pas pourquoi j'ai soif. J'arrête pas de... Comment? Je vais aller me chercher une gazouzette.
crois que je vais y aller maintenant. Et ça va me permettre de... Quand il n'y aura plus de batterie. Parce que ça va me permettre de faire deux précisions importantes. Donc voici pour, je le disais, le dernier update par rapport à ma vidéo, la October Fashion, ma vidéo précédente. Ma vidéo fashion précédente. Voilà, vous savez tout. Toujours chez Zara. Bon, la dernière pièce, presque, de chez Zara, faut l'aller. Donc les plus fidèles d'entre vous savent que moi, j'ai une histoire d'amour avec les kimonos chez Zara. Bah tu sais pas, je vais faire un break maintenant parce que je vais les chercher pour vous montrer pour la démonstration en image. Parce que comme c'est une petite vidéo, et ben j'en profite pour vous rappeler les choses. Ne quittez pas. Je suis de retour. Je suis allée chercher les kimonos dans le dressing. Et en passant dans le corridor, j'ai vu ma coupe dans le miroir. Je dis c'est vraiment intolérant. Je sais pas quoi faire. J'y arrive plus. Il faut que j'aille couper. Il faut que j'aille couper les filles, ça ne va plus. Jérémy, please, I need your help. Et c'est vrai que les grisonnies sont légion là. Parce que ce que j'ai noté, c'est qu'il y a une boucle là qui mène une existence solitaire. Bon, qui fait sa life. Bon. Là, donc je le disais les filles et les garçons, j'essaie de me reconcentrer là. Je suis allée chercher les kimonos dans le dressing. Ce faisant, je suis allée chercher également ceci, c'est la news. Donc vous le savez, ça fait des semaines et des mois maintenant que je vous partage les energy drinks Virtue. Elles, vous les connaissez, vous savez que j'ai des discounts de ouf sur ces boissons. C'est 25% de discount sur les classiques améliorés avec des sucres sans sucre. Et les yerba maté, vous le savez. Sur ces boissons-là, j'ai la chance de disposer d'un discount. Vous savez que j'échange avec la société. Je vous avais expliqué leur engagement écologique, le RAI, le jeune homme qui était super, etc. Il a vu la vidéo, il était trop content. Il m'a dit, je comprenais pas ce que tu as dit, mais ça va l'air sympa, merci. Je disais, ça fait plaisir, bon. Mais avant les Virtues, les plus fidèles d'entre vous le savent. Mes energy drinks, j'ai toujours consommé des energy drinks propres. Tout ce qui va être les raids et les bulles et les trucs et les monstres et les terres ne m'intéresse pas. Mais genre pas du tout, jamais de la vie. Ah donc, je le disais, les toutes premières que je consommais, c'était les Aspire Drinks, vous vous souvenez? Et le problème, quel est-il? Le problème qui s'est posé, c'est que ce sont des boissons, c'est une société anglaise là encore. Au même titre que Virtue. Et donc, malheureusement, elles avaient disparu de l'Amazon France. Donc le seul moyen de se les procurer, c'était l'Amazon UK. Mais les prix étaient intolérants et les shipping fees surtout, les frais de port étaient intolérants. Donc j'avais laissé tomber et c'est comme ça. En fait, c'était un mal pour un bien parce que c'est comme ça que j'avais découvert par la force de la nécessité, j'avais découvert les Virtues. Vous suivez toujours pas, c'est une longue histoire, j'avoue. Bon. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'elles sont de retour. Elles sont de retour sur Amazon France, le nôtre. Donc, prix en euros et non pas les pounds qui piquent. Pas de frais de port de folie. Pour le coup, je n'en ai pas eu du tout. Je les ai achetés, je ne travaille pas du tout. Donc, malheureusement, je n'ai pas de discount à vous donner. Mais je vous partage l'info. Elles sont revenues. Donc, les cranberries, vous savez qu'il existe les pommes açaï, les cranberries et les mango lemonade. Ma préférée, c'est celle-là. C'est mango lemonade. Ça, c'est la première information. La deuxième information. Lors de ma dernière vidéo chit-chat, que je vous rattache juste ici, si vous ne l'avez pas vu, vous voyez là, il y a beaucoup d'amour dans cette vidéo. De la force et de beaucoup de sisterhood, vraiment. Sans rire, vraiment. Donc, à l'occasion de cette vidéo, j'ai ma sister Abyssinie Kay qui m'a interrogée sur ma réflexion par rapport à l'environnement. Et j'ai fait part de mon big concern, je suis très très inquiète moi par rapport à l'environnement, etc. Et il y a quelques haters, en ce moment les haters là sont très hateux. J'espère que ça occupe votre triste vie, si ça vous permet de vous faire du bien, si je représente un exutoire et que ça vous permet de vous défouler, go for it. Je suis tellement plus forte que ça, franchement. Certaines d'entre vous connaissent mon travail bien mieux que les plus OG de mes OGs. Ça fait de vous des fans. Donc, je vous salue, les fans. Voilà. Donc, m'ont dit oui, et je les ai évidemment bloqués, supprimés, bloqués, etc. Oui, ça parle. L'un d'entre eux trouve que je parle un français approximatif. J'ai trouvé que c'était une très bonne blague.
Moi, je parle un français approximatif. Ok, bref. L'un d'entre eux me disait, oui, ça parle d'environnement et ça boit à la paille jetable en plastique. Oui, alors, vous le savez, je suis madame backup. Les backups des familles. Ces pailles-là, qui effectivement sont en plastique et à usage unique, pour des considérations hygiéniques, sont en plastique, effectivement, viennent de chez Ikea. Je les ai achetées il y a très longtemps et je les ai achetées en quantité industrielle. Moi, quand j'achète en gros, généralement, vous le savez, que ce soit chez Ikea ou que ce soit chez Vipi, que ce soit le café ou la lessive, hein, j'achète en masse. Généralement, je partage, mes placards sont blindés de backup, d'accord? Donc, ne soyez pas étonnés de me voir utiliser des pailles à usage unique. J'en ai encore pour un certain moment. Ce qui ne minore en rien mon consomme, mazette, mango lemon, il est vraiment bon. Premium green tea, reduce body fat. Ah, ça reduce le body fat? Ah bon? Dans quelle mesure ça réduce le body fat? Vitamine B6, biotine et vitamine B12. Bon, ça c'est bon pour la croissance des cheveux, la vérité c'est vrai. Mais dans quelle mesure est-ce que ça réduce le body fat? D'accord. Body fat c'est la graisse, le gras. D'accord. Développé et composé par des experts en nutrition, Aspire est rempli de bons ingrédients comme des extraits de thé vert. Permet d'atteindre ou de garder le poids idéal et va bien de pair avec un style de vie sain. Je vous jure que c'est écrit. Bon. Oui, le fait que j'utilise des... j'achète encore la lessive dans des bidons en plastique. D'accord. Ça ne minore en rien mon inquiétude et ça ne diminue en rien mon effort quotidien, notre effort quotidien, pour le recycler, faire attention à la consommation d'eau. Bref, je ne me justifie pas. Mais je suis toujours interpellée par ce... Non pas par la teneur du propos, mais par la forme qu'il prend. Tu peux t'interroger sur l'apparition d'une paille qui te paraît contradictoire avec le propos. Mais il y a des manières de le faire. Il y a des manières de dire les choses aux gens. Et rappelle-toi d'une chose, quand tu viens ici, tu viens chez moi. Chez moi. Donc le minimum de respect et de courtoisie. Faute de quoi? J'ai une sista qui m'a dit « Sabrina, s'il te plaît, envisage les pailles en inox. » Donc moi, vous le savez, si vous avez vu cette vidéo, j'ai des pailles en bambou, parce que l'inox, ça altère les mailles dedans, c'est pas bon. J'ai des pailles en bambou que j'utilise pour boire le café. Pour pas tâcher les dents, les mailles, d'accord? Mais voilà, là, j'ai des stocks de pailles, je vais les utiliser. Je n'entends pas les mettre à la poubelle, j'entends vraiment les utiliser. Je ne gâche pas, je les ai achetées. Donc c'était une grande parenthèse. Et je suis absolument certaine, en tenant ce propos, que les haters le voient. Donc c'est pour vous les amis. Vous avez eu votre petit quart d'heure de lumière. Donc chez Béosuite, les fameux kimonos, les filles. Donc les kimonos, vous les connaissez. Le premier, ah ben, le cintre s'est fait la main, là, comment? Vous le connaissez, c'est un kimono que j'ai acheté il y a plusieurs années maintenant. Je suis incapable de vous dire il y a... Combien d'années, hein, 3 ans, 4 ans, peut-être plus, peut-être moins, d'accord? Qui est celui-ci, chez Zara, qui est d'une très grande beauté. Parce que c'était, vous ne le voyez pas nécessairement avec une grande précision, mais le ton, la couleur sous-jacente, c'est le burgundy. Ça faisait longtemps, ça fait longtemps que j'aime cette couleur. Je reçois, je vous jure que c'est vrai, à ce jour encore, à ce jour, je reçois des messages de personnes qui me demandent de le leur vendre, qui essayent de me le racheter. Franchement, Zara, il faut qu'il... Sortez-le dans d'autres teintes, parce que là, c'est grave. Donc, celui-ci, il y en a eu un autre que j'ai pas attrapé, mais il y en a eu un autre qui lui ressemblait beaucoup. Et enfin, il y a eu celui-ci. D'accord. Donc là, moi, vous le savez, je surveille les kimonos chez Zara. Il y en a un autre qui est arrivé, qui est d'une grande beauté, que je vous montrerai si il est concerné par le Black Friday, que je vous montrerai dans la December Fashion. Attention, il est dans l'édition limitée. Il est magnifique, c'est très grave. Il est vraiment magnifique. Bon, d'accord, je vous le mets là à l'écran. Une grande beauté, une grande beauté. Une grande beauté. Et en plus, la nana, elle le porte avec les cuissardes que j'ai achetées chez Zara, que je vous ai montré le mois dernier. Croyant. Eh bien là, ils nous ont sorti ce petit numéro
Et c'est pareil, j'ai guetté la méthode du tigre, la technique du tigre nocturne, pour essayer d'attraper le M, hein, qui est ma taille. Et le M ne revenait pas, il ne revenait pas. Donc j'ai attrapé le S, et finalement le S me va très bien. Donc j'ai la chance que le problème de sizing actuel chez Zara, là en l'occurrence, me sert. Je sais, il est beau, de ouf. Il est trop beau, c'est grave. Bon, à la différence des deux que je vous ai présentés là à l'instant, que je peux porter parfaitement en été, en hiver, à chaque saison de l'année, celui-ci, il est quand même un petit peu plus estival. Printanier, estival. Mais admettons, si je reçois ou si je vais au resto ou que sais-je, mais moi je porte ça à l'extérieur, en société, bien sûr. Je les habille, je les accessoirise, j'ai une chaussure, c'est le petit look, mais je porte ça bien sûr, je suis à l'aise. Et il est vraiment très beau, il est fendu sur les latérales, et je vous le mets là à l'écran. Voilà. Donc là encore, si vous prenez ma taille comme référence, c'est du small. C'est le small. Il n'était pas donné. Mais il est très beau. Et je note qu'il ne se froisse pas. Donc ça, c'est pour moi, c'est toujours un plus. Vous connaissez mon amour pour le repassage. Oui, vous êtes nombreuses à m'interroger sur l'arrivée de la première la première de Bibi Monk. C'est bientôt, mais rendez-vous compte, on a déjà terminé le mois de novembre. Je ne vous ai même pas encore partagé mes routines de soins. Donc comme l'année dernière, je vais faire une seule vidéo pour la routine du matin et la routine du soir. Et vraiment, en vous montrant très peu d'options dans chacune des catégories. Les routines, qu'est-ce que je dois vous partager, des tonnes de choses. Le gift guide, Black Friday, qui a été décalé au 4. Et les choses et tout, mais Bibi Monk, oui, arrive. Et j'ai pas eu du tout le temps de vous partager les essayages. Et je pense que je vais faire quand même des essayages sous forme d'IGTV dans le corridor. Parce que c'est vrai que là, j'ai quand même... j'ai acheté des manteaux. C'est-à-dire que en Angleterre, Black Friday, il est déjà en action. Donc c'est vrai que là, j'ai quand même acheté des manteaux, par exemple, plusieurs. Par exemple, chez Caramille, par exemple. Puis j'ai fait des dégâts de fou. J'ai fait des dégâts matériels. Chut. Et je poursuis. Là, c'est grave. Là, c'est encore parce que j'ai été influencée par les influenceuses. Je vous jure, c'est vrai. Donc, que ce soit Lydia ou que ce soit, comment elle s'appelle, Victoria, que je suis pas mal, ce sont les, à elles seules, à elles deux, elles réunissent tous les partenaires avec lesquels moi, je rêverais de travailler. Franchement. Bref, là, il y a une marque en Angleterre, une marque de prestige comme ça, qui est une marque de luxe, on peut le dire, hein, qui s'appelle Holland Cooper. Je vous le mets là à l'écran, je vous mets plutôt une image, et qui fait des choses. Donc, ils sont pas mal dans l'univers équestre, mais ils sont aussi dans la fashion, d'accord. Donc, elle s'appelle Jade. C'est une très belle femme qui vient de mettre au monde un petit minis. Et son mari possède Superdry, donc c'est un powerhouse, comme on dit, le couple. Et donc, ils font des choses absolument magnifiques. C'est très cher. Je vous le dis, c'est vraiment cher. C'est des prix vraiment de luxe. Mais c'est 100% fabriqué en Angleterre. Ils ne fabriquent pas en Chine, ils ne fabriquent pas en Inde, au Pakistan, au Maroc. Hein. Ils fabriquent en Angleterre. Et avec des matériaux nobles. Les laines, les cachemires, la soie, que le oui, que le comment. C'est vraiment une vraie belle marque de luxe. Je n'aime pas tout. Mais j'aime beaucoup de choses qu'ils font. Et en dernier lieu, j'ai complètement craqué sur cette chemise. Qui est évidemment, vous le verrez peut-être à l'écran, vous allez me voir les porter. Et vous allez m'interroger sur elle quand vous allez me voir les porter, c'est sûr. Donc première chose, évidemment, le rappel Balmain au niveau du boutonnage sur les épaules. Une épaule justement très légèrement puff out, très légèrement. Le rappel des boutons au niveau des poignets, elles sont longues. C'est de la soie, 100% soie. Elles sont absolument magnifiques. Donc, ce qui est grave, c'est le prix, c'est-à-dire que c'est très cher. C'est-à-dire que c'est 200 pounds. Mais c'est très cher.
Et donc moi j'étais comme ça en train de guetter vite, vite pour le Black Friday. Ils ont fait du Black Friday mais pas du tout sur ces pièces-là. J'étais très déçue de leur Black Friday, je trouve qu'ils n'ont pas du tout joué le jeu. Les pièces qu'ils ont discountées, ils les ont vraiment bien discountées. Ils ne se sont pas contentés de retirer 20 pounds, ils ont vraiment discounté. En revanche, c'est pas du tout les pièces sur lesquelles je louchais, il y en avait d'autres. Ils ont des pulls qui sont un petit peu sur cette idée-là de que je vous mets là à l'écran, qui sont absolument magnifiques, mais qui sont... J'entends, je comprends, ce sont de belles laines, c'est fabriqué en Angleterre, etc. Mais c'est vraiment hors de prix. Donc là, pour l'instant, je n'ai acheté que ce chemisier dans cette couleur magnifique qui vous rappelle évidemment quelque chose. Et j'ai attrapé la même dans le vert émeraude. Parce que j'ai honnêtement vu le make-up, j'ai vu le look. J'ai vu le make-up, le pantalon, la chaussure, la pochette, Bergiondi. J'ai vu le look. Là, je le vois, là, au moment où je vous parle. On dirait que je suis habitée, parce que c'est le cas. Bon, craignant. Mais elle existe dans le noir. Elle existe dans un bleu magnifique que je vous mets là à l'écran. Et elle existe dans le champagne. Alors là, j'aime un champagne. Mais à 200 pounds. 100% soie, ok. Mais je vous les montrerai en story pour vous montrer comment elles nous parviennent. Comment ces produits sont livrés. Déjà, c'est livré par DHL, c'est extrêmement rapide. Frais de port ne sont pas donnés non plus. Thank you for choosing Holland Cooper. We hope that you love wearing this as much as we have loved creating it for you. Ah ben oui, parce que c'est vrai que c'est grave. Je vous partagerai. Vous savez combien je suis sensible au soin qui est apporté à l'emballage, le packaging, la facture. C'est vraiment une expérience luxe. Le contenu, évidemment, mais le contenant, le décorum, l'instrumentum, quelque part. Là, j'ai dérapé, j'avoue. Les vieux réflexes. Crème. Donc voilà, moi, c'est vrai qu'il y a marqué British Excellence. Oui, c'est le 12, donc c'est le 40. Parce qu'elle est sur une coupe un petit peu quand même féminine. Pas moulante près du corps, mais quand même cintrée. Quand même. Donc j'avais acheté les deux, j'ai renvoyé. Pareil, la facilité avec laquelle j'ai renvoyé le truc. Et j'ai fait un échange, donc j'ai pris la... C'était la verte que j'avais échangée. J'avais pris la 12 dans la rouille et la 10 dans la verte. Et finalement, j'ai échangé la verte. Et magnifique, et donc une très belle marque. Donc les Sistas qui sont en Angleterre... Vous les connaissez probablement. Vous êtes très, très nombreuses. J'espère que vous êtes au max au Royaume-Uni, là. Vous êtes au max au United Kingdom ou pas? Ça va ou pas? À Londres. Hein? Je vous fais des bibis, je vous envoie des bibis. Et des brothers aussi, les garçons et les filles. Je vous fais des bibis. Donc, chez Béasui et les filles, je vous dis, on en a presque terminé, c'est grave. Donc, là où c'est vrai que j'ai craqué un petit peu le slip. Meraki, parce que Meraki, moi je suis folle amoureuse de cette marque, et pour mon plus grand bonheur, vous l'êtes également, vous les filles, et vous les garçons, et vous les maris de mes sistas, parce que de très belles choses, des pulls extraordinaires, machin. Là, ils ont sorti des pulls que j'ai déjà, mais dans des teintes qu'on n'avait jamais vues, ce qui m'a donné l'occasion d'acheter ces nouvelles teintes, d'enlever et dans le rond, celui que je porte là, en éteint de ces pulls. Là, j'ai mis une broche que j'ai attrapée, je ne sais plus où, je crois, chez Zara. Mais c'est pas mal, le petit look, le petit look. Mais j'ai attrapé des couleurs qui... Inédites. Là, j'ai la folle, mais magnifique. Et j'ai pris des backups aussi de pièces que j'ai déjà. C'est pas pour moi, c'est pour les offrir. Vous les verrez peut-être pas dans mon gift guide, mais sachez que voilà... Mais à qui j'offre autour de moi, beaucoup, aux filles et aux garçons, et j'ai attrapé des... Ils sont arrivés, et franchement, j'ai l'impression que c'était déjà excellent, Meraki, mais là, j'ai l'impression qu'on a encore monté en gamme. Et j'ai l'impression que ce faisant, le prix également a un petit peu augmenté, parce que je les ai attrapés, me semble-t-il, 30 euros l'unité. Et je ne suis pas absolument certaine que c'était le prix que j'avais payé jusqu'alors. Corrigez-moi. Et là, c'est pareil, j'ai fait la technique, j'ai passé mes nuits, ces 21 derniers jours à guetter la fashion. Bon. Dans un premier temps, je vais commencer par les V. Dans un premier temps, j'ai repris le noir. Vous les connaissez, vous savez pourquoi je les aime.
Je vous refais pas la checklist. Le V fameux, la laine extraordinaire, le tombé, la longueur, le shape, ils sont invincibles, j'ai lavé la machine, ils sont invincibles, indestructibles, j'ai rattrapé le noir. Et vous voyez, ceci conforte ce que je viens de vous dire à l'instant, on est sur un step up the game, un petit peu nouvelle étiquette. Donc, certified by OneCert International. Il y a un petit mouton mignon, beau gosse, une merzouquette. Il y a marqué Responsible Wool Standard, RWS, certified. Meraki Style for Life. Ben ça y était pas avant. C'est vrai ou pas? Donc, vous le savez, ma taille chez eux, c'est le M. Je me suis repris donc le V noir et je me suis repris également le V haute mille que vous connaissez, que vous m'avez déjà vu porter des tonnes de fois. À chaque fois que je les porte, vous m'interrogez sur ce que c'est. Ce sont eux, honnêtement. Je vous jure que c'est vrai. Depuis que Meraki est entré dans ma vie, j'ai l'impression que j'alterne uniquement entre mes pulls Meraki. J'ai la chance d'avoir de magnifiques pulls d'autres marques. Hein? Mais j'ai l'impression qu'ils me suffisent. Bon, c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup dehors et tout, particulier en ce moment. Mais quand je sors, c'est ça que je porte. Je suis bien dedans. Donc, le haute mille, qui a la même nouvelle étiquette de qualité, là. Et c'est là que commencent à intervenir les coloris au-delà du réel. Regardez-moi cette teinte de rouge qu'on n'a jamais vue. C'est un petit peu le même rouge cerise que le fameux pantalon de la Life, lui-là, de chez Find. S'il est encore disponible, je vous le remets en barre d'infos, ce dont je doute vraiment. J'avais essayé de l'attraper pour Dr. Zainab, mais malheureusement, il n'était pas disponible dans sa taille. Elle l'avait vu, elle m'avait dit « Ah, what you down ?» J'ai dit « Yes, I know. » Bon, il est absolument magnifique. Ben là, il est beau, hein. Là, c'est grave. C'est grave. Donc, le rouge, qui est un coloris inédit, j'ai bugué, mais un autre coloris inédit, et je n'étais pas bien, j'ai dit comment ? Le fauve, et je crois qu'il s'appelle vraiment fauve, que voici. Il est croyant. Moi, je vois ce pull sur ma peau, aller bronzer. Bon, là, évidemment, je vais le porter. Je suis tout sauf bronzée. Mais je vois le look. Même avec une jupe tube en cuir camel. Et un escarpin nude avec ce petit pull. Un joli collier ou une boucle. Un petit look. Bah, c'est grave. Ils ont sorti le faux, bien sûr. J'ai racheté le bleu marine. Parce que vous savez, c'est ce fameux bleu marine qui n'est ni bleu, ni chiné, ni gris, qui... C'est pareil, le bleu marine, quand je le porte systématiquement, vous m'interrogez massivement, en nombre. Qu'est-ce que c'est? Vers à qui? Donc là, c'est pareil, hein. Ils sont déjà dans mon panier, au niveau du Black Friday, je prévois de les attraper, bien sûr. Et donc, je le disais, ils nous ont éclatés à tous les égards, Meraki, je sais pas ce qui s'est passé. Ils ont sorti également des coloris inédits dans ce modèle que je porte là tout de suite, d'accord? Donc évidemment, je ne pouvais pas ne pas attraper les coloris que je viens de vous montrer, c'est-à-dire le rouge de la vie. Donc c'est exactement le même, mais avec un col rond. Ah, moi je vous dis, là je suis parée pour l'hiver. Au niveau des pulls, là c'est bon. À part, sauf extraordinaire, je pense pas acheter d'autres pulls. Sauf extraordinaire. Mais la vérité, je pense pas acheter d'autres pulls. Donc le col rond dans le rouge qui est très beau. Il faut vraiment les porter que vous soyez fille ou garçon. Parce que ce sont les mêmes chez les hommes. Il faut vraiment les porter pour comprendre ma passion pour ce produit.
Ils sont vraiment particuliers. Vraiment particuliers. J'ai la chance, moi, de posséder des pièces. Ils sont... C'est un produit, pour moi, luxueux, quali. Vraiment. Donc, le col rond dans le rouge Bagos et le col rond dans le fauve, parce qu'ils nous ont sorti le fauve. Qui n'existait pas. Je suis catégorique, je l'aurais vu sinon. Je ne peux pas vous dire une chose. Parce que moi, vous le savez, j'ai quasiment... En fait, c'est pas quasiment, j'ai vraiment toutes les couleurs. Quoi. Même le rose, le bleu layette, le... Incroyable. Est-ce qu'il y a un trou, là? Oui, et vous me dites rien. Mais c'est ça qui est bizarre. Vous me dites jamais quand je suis pas bien coiffée. Il y en a une qui s'est trop mignonne dans ma vidéo chat qui m'a dit « Si, si, moi, je te l'ai dit, je te l'ai dit. » Non, mais il va falloir couper, bien sûr. Bien sûr. Donc, le fauve, qui est magnifique, folie. Le prune, que vous connaissez, que vous ne connaissez que trop. Je me suis racheté le prune dans le col rond, parce que c'est vrai que je porte beaucoup le prune dans le col V. Je voulais le col rond, et il me semble que je ne l'avais pas encore attrapé. Donc, puisqu'ils étaient là dans toutes les tailles, j'ai fait une commande massive. C'était que eux dans la commande. Magnifique, magnifique. Et là où ils m'ont éclaté... Là, ils m'ont éclaté et malheureusement, je ne l'ai pas trouvé dans le V. Ça, c'est le prune. Et ça, c'est le Burgundy. J'ai déjà mis un cheveu. Bon. Le Burgundy. Ils nous ont sorti le Burgundy, les filles. J'ai pas réussi à attraper le Burgundy dans le col V. Malheureusement. Mais j'espère, il n'était pas disponible dans le médium. Donc, magnifique. Ben là, c'est grave. C'est grave. Rien que pour lui, ça valait franchement le coup. Donc, je suis absolument ravie. Et ben, tu sais pas, pendant que je suis en train de vous parler, je vais vérifier s'il est parvenu par hasard. C'est jamais. You never know. Meraki. Ah, ben là, je suis sur l'Amazon des États-Unis. Bien sûr. Vous êtes nombreuses à craindre d'acheter sur les autres Amazon. C'est aussi facile que d'acheter sur le nôtre. Hein. Ça, Pialo. Comment? Meraki, vos commandes. Ah ben, je l'ai trouvé! Oh, Mazette! Attendez, je l'achète. Je l'achète. Voilà, c'est fait. Sorry! Eh ben, c'est grave. Je sais pas comment vous le voyez à l'écran. Est-ce que vous parvenez déjà à distinguer une différence de teinte entre les deux? Ils sont pas du tout la même couleur. Donc, Meraki, folie. 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 D'accord. Donc chez Bersui, j'ai rattrapé des choses chez... Je vous avais partagé cette marque récemment, là encore me semble-t-il dans ma vidéo October Fashion. Vous le savez, la quasi-totalité de ce que j'utilise en vêtements, en textile, pour le sport, c'est sur Amazon que je les attrape. Parce que là où je mets vraiment des sous dans un soutien-gorge, que j'attrape également maintenant sur Amazon, mais dans un bon soutien-gorge et dans de bonnes chaussures de sport chez Nike généralement, les vêtements, je me fiche de savoir de quelle marque ils sont. Il faut qu'ils soient performants, il faut qu'ils soient techniques, d'accord? Donc, Auric, chez qui je trouve des trucs de folie, les marques. Mon fameux Reflex 90 Degrees Reflex, lui, là, mon legging de la life, qui est un peu cher, mais qui est invincible, lui aussi. C'est le max, c'est le meilleur legging du monde, d'accord? Mais vraiment sans rire. Sur l'épaisseur, sur la taille haute, sur l'opacité, sur le maintien, sur la durabilité. Je les lave, je lave quasiment tous les jours, mon legging. J'en ai plusieurs, j'alterne, mais... Bref, Care of by Puma, toutes ces marques que j'attrape sur Amazon. Récemment, j'ai découvert une nouvelle marque qui est Core 10. Je vous renvoie ma October Fashion. Et bien là, j'ai fait des emplettes. Donc, dans un premier temps, j'ai attrapé ça. Parce que là, je fais beaucoup, évidemment, de sport à la maison. J'ai pas nécessairement besoin d'être aussi couverte, entre guillemets, couverte, que quand je faisais mon sport à la salle. Je me suis repris un petit débardeur de la life. Et évidemment, ici, je ne porte que lui et mon legging. J'ai rien au-dessus, j'ai rien sur la taille. Je suis à la naze. Donc, le petit, je vous le mets là à l'écran. Et ensuite, je vous avais parlé de ces leggings
Celui-ci qui est mignon comme tout. J'ai entrepris de prendre le kaki pour ambiancer ma vie, mettre un peu de suspense dans mon existence. Le kaki parce que, pour changer du noir, il a un design très particulier. Vous le voyez, il a des poches. Déjà, il a un lien à la taille et il a des poches. Donc, je l'ai attrapé. Qu'est-ce que j'ai pris comme taille? Il me semble que j'ai pris du L. Corten, donc c'est la fameuse marque. Parce qu'au niveau de la taille, c'est vrai que là, j'ai pas ma lunette. Hein. And d'encre, je ne sais pas. Ah ben voilà, tu vas voir que là, il y a une étiquette. L, oui, j'ai pris le large. Super, je l'ai essayé, c'est parfait. Super. Et alors, toujours chez eux, voici à quoi ça ressemble quand on les achète. Il me semble que c'est lui. Je vous avais dit, c'est lui le legging de Folie. Donc eux, ils l'appellent yoga. Moi, quand j'ai un bon legging, c'est pas ou pour le yoga, ou pour les squats, ou pour le running. C'est un legging de sport, je le mets quelle que soit l'activité que je veux. Mais là où je l'ai trouvé super, c'est que à la taille, il a un... Waouh, crâner, qu'est-ce que j'ai pris le what? C'est du S, je me suis trompée. Ma Z, je me suis trompée, les filles, j'ai pris du small. Ah là là, je vais le renvoyer malheureusement, mais il est très beau. Il est très très beau, hein. Il est magnifique. Vous voyez le petit détail à la taille? Je ne vais pas le renvoyer, je vais l'offrir. Et je vais me racheter le L. Ma Z, j'ai été inattentive un instant. Mais je sais exactement à qui je vais l'offrir, ça va lui faire plaisir. Le S, il est craignant. Donc voici pour ce legging. Ensuite, ici, qu'est-ce que j'ai attrapé? Toujours chez Meraki. Oh, mais j'avais complètement oublié, je me suis acheté un petit sweat des familles. Pour le sport, là aussi. Et j'avais complètement zappé. C'est un petit peu une technologie thermolactile, les choses, etc. Il est super mignon. Je vous mets là encore, je vous mets à l'écran. J'ai l'impression que je fais la course contre la montre. Et cette pièce, j'ai trouvé ça trop mignon. Pour eux, c'est un article de sport. Moi, je ne suis pas certaine de le porter pour le sport. Je l'ai trouvé super. Donc, chez Auric, justement, la marque de sport que j'aime beaucoup sur Amazon. Regardez ce que j'ai trouvé. Il n'est pas trop mimi. Une espèce de blouson bomber bangos années 60s. Hein, il est mignon ou pas? Regardez comment elle le porte, elle, pour le coup. Elle le porte vraiment avec un legging de sport, tenue de sport. Hein. Il est super. Quand il fait pas trop froid, pour sortir faire un... Peut-être pour un jogging, je sais pas. Et j'ai trouvé trop mignon. Et c'est un tissu vraiment technique. C'est un vêtement de sport, hein. Trop mignon. J'aurais trop aimé qu'ils le sortent dans d'autres couleurs. Je sais pas si c'était pas le cas. Mais en tous les cas, moi, j'ai jeté mon dévolu sur celui-ci. Et je suis absolument, absolument ravie. Je suis vraiment contente. Et là, qu'est-ce que j'ai pris comme taille? Le M. Le médium. Donc, chez Béansui, il est beau. Hein, il est mignon. Très mignon. Donc, chez Béansui, j'avais presque terminé. Bon, ben, les filles, vous voyez, je suis cohérente dans ce que je fais. Amazon The Drop. Lucy Swims vient de sortir une nouvelle collection avec eux. Je vous avais déjà parlé d'elle parce que j'avais attrapé ce caraco là, très beau, qui a fait grand succès et que je vous remets en barre d'infos. Il me semble qu'il est encore disponible. Et donc, j'aime pas tout dans ces collections, mais dans ces collections, il y a toujours quelques articles que j'attrape, d'accord? La dernière fois, donc, c'était le caraco. Et là, ce sont ces tops que sur lesquels j'ai craqué. C'est la première fois que je les vois. J'ai attrapé du médium. Je pense que c'est la bonne taille. Mayday, mayday! Nous avons eu une avarie du matériel. Ça, il n'y avait plus de batterie, ça coupait. J'en étais au super top de Lucy Swims pour son dernier drop. Et les filles, ils ont l'air folie. Bah déjà, la matière est folie et la coupe est très intéressante. Donc évidemment, soutien-gorge sans bretelles. Parce que regardez ce à quoi elle ressemble portée. Je pense que même un soutien-gorge de nageur ne fera pas l'affaire. Parce que même sur le devant, il est un petit peu revealing. Je l'ai trouvé très bien conçu. Je l'ai trouvé très bien dessiné. Ce top. Et je suis très contente de la longueur à la taille. Parce que moi, j'en peux plus là. Là, c'était un problème en ce moment chez toutes les marques. Tout est trop court à la taille. Là où les statistiques démographiques le démontrent, l'humain, l'homme, dans son ensemble, est plus grand. Donc, what about? Bref. Donc je suis contente de son design et je suis contente également de la matière. Pourquoi? Parce que j'ai acheté toutes les couleurs, d'accord? Donc ils ont sorti le camel. Ils lui font vraiment confiance. Ces collections doivent vraiment cartonner. Parce qu'il est très difficile de sortir le même article dans différentes teintes dans le drop.
Je le sais par expérience. Je vous cache pas que j'aurais rêvé voir ma camise sortir dans le noir. Évidemment. Le kaki. Donc le beige, le kaki. Et le noir, parce que bien évidemment, bien sûr. J'essaye au fur et à mesure de vous mettre des photos de Lucie à l'écran. J'aime aussi ses photos. Je trouve qu'elle elle travaille bien. J'aime ses collections, j'aime son implication. Je trouve que c'est une belle réussite. Lucie, congratulations. If by any chance you happen to watch this, hi from France. J'adore. Super. Donc voici pour un petit achat du drop. J'étais ensuite, j'avais presque terminé. Bon ben ça, j'aurais presque pu l'intégrer dans mon gift guide parce que, believe it or not, je vais offrir un pidge. Je l'ai trouvé magnifique, magnifique. La marque c'est Siden Sticker Women. Et je l'ai trouvé absolument magnifique. Je vous dis la vérité, j'étais en train de regarder des pyjamas Triumph. Vous savez que j'achète pas mal de Triumph sur Amazon. C'est beaucoup moins cher que dans la vraie vie. Et il est arrivé dans mes suggestions en bas de l'écran. J'ai dit, mais il est beau ce pidge. Donc, moi, j'avoue, je ne l'ai pas acheté pour moi, d'accord? Parce que c'est vrai que mes derniers craquages pidge chez les girls, les boys, je suis la plus heureuse du monde. Donc, je n'ai pas besoin pour l'instant d'un nouveau pidge, mais c'est vrai que celui-là, il est beau. Non, il est très beau. Il y a un problème de beauté. Est-ce que vous voyez le liseré Birgiundi sur le côté? Il est gris bogos avec un liseré Birgiundi sur le côté. Peut-être que si je vous montre la veste, oui, il y a les cartons, ça va, je vais pouvoir le replier, faire un joli paquet cadeau. Vous voyez qu'il est trop grand pour moi. Mais vous voyez les détails Birgi, quoique ça peut être ma taille. Hein. C'est le L, mais j'ai l'impression que c'est plutôt ma taille. Bon, il est beau. Ben, c'est un beau pidge. Parce que moi, vous savez que j'ai la passion du pidge. Et moi, à mes gens, je leur offre du pidge. Vous allez le voir dans le gift guide dont je vais tourner la première partie là tout de suite, immédiatement, maintenant. Je vais me servir, bon, vous savez pas les coulisses, je me sers de mon petit Jules pour faire les mises au point, le focus avec la caméra. Donc je l'ai laissé ici parce que je sais que je vais faire le focus dans un instant pour la nouvelle vidéo. Je vous jure que c'est vrai. Vous vous rappelez de lui? Jules, mon mignon, c'était pour le Médecin Sans Frontières. Bref. Ah donc, j'aurais pu l'inclure dans cette vidéo parce que vous allez le voir cette année. Bon, c'est vrai que c'est le cas un petit peu chaque année. Mais cette année particulièrement, j'ai mis le focus pas que. C'est comme à l'accoutumée, comme toutes les années précédentes, c'est un gift guide qui va aller dans tous les sens de l'éclatance éclatante. Mais j'ai mis le focus vraiment sur l'utile. Le bien-être, le soin de soi, le bien manger et les choses. Et je l'ai dit, je vais le tourner en plusieurs épisodes. Et vraiment, ultimement, si j'ai pas tout reçu à temps, je vous les mettrai à l'écran et je vous les montrerai en Insta Story quand ils seront arrivés. Mais il y a des tonnes de choses que j'ai commandées qui sont pas encore là. Donc là, j'ai déjà une belle partie de ce que je vais offrir. Je vais le tourner aujourd'hui et vous le verrez en une seule et même vidéo quand j'aurai bouclé ma vidéo. Je pense la sortir la première semaine de décembre parce que sinon après, il va être trop tard. Donc voici pour le pidge de cette super marque là, Siden Sticker. Hein. C'est pas pour une marque allemande ça peut-être. Switzerland. D'accord. Non, oui, c'est Germanie. Voilà. Parce qu'ils ont mis le prix en CHF France-Suisse. Mais c'est une société Deutsch. Donc voici pour ce pitch que je vous ai mis à l'écran là, qui est croyant. Et vous avez vu le petit liseré Birgiundi qui fait toute la différence. Et les trois derniers produits donc dans l'accessoire, chez Mango. Bon, ben, chez Mango, c'est grave. C'est grave. Première chose, les filles, attention, warning, vous le savez, je vous ai partagé les chaussures à talons de la vie, qui sont les chaussures salvatrices pour toutes celles qui ne savent pas ou qui n'aiment pas ou qui souffrent en talons. Les Audrey chez Mango, qui existent dans toutes les couleurs, là, ils ont sorti un cuir vernis, elles sont absolument magnifiques, très confortables. Elles sont dans le noir, le bleu, le rouge, le fauve, le marron. Vous savez que j'ai la chance de les posséder dans toutes les couleurs. Généralement, je les attrape avec un discount. Il est rare que je les paye plus de 20 euros. C'est incroyable. Elles sont de très, très belles factures. Très confortables. Elles sont magnifiques. Je ne travaille pas avec Mango. Je ne suis pas sponsorisée, d'accord? C'est vraiment le bon plan. Et vous êtes très nombreuses à m'avoir dit « Tu m'as réconciliée
avec les talons pour le travail, j'ai pas le choix, faut absolument que je... Et j'arrivais pas, c'était une souffrance, etc. Elles sont géniales. Et bien, vous savez pas pourquoi? Ils les ont sorties, je vous le donne à 1000. Dans le Burgundy! Je vous les mets là à l'écran. Parce qu'elles sont disponibles en ce moment. Si j'attends la December Fashion, il sera peut-être trop tard. Je vous les montrerai quand elles arriveront dans le couloir, je vous les montrerai en story. Mais dans l'intervalle, là, vous avez la news. D'accord. Et elles sont très belles, mais je les ai pas encore reçues. En revanche, j'ai reçu ceci chez Mango, qui est une ceinture. Mais une ceinture de couleur. Je crois que je l'ai vue sur l'Instagram de Mango. Elle est très belle. Bah, c'est grave. Est-ce que vous voyez à peu près l'idée là? Donc ce sont ces ceintures que l'on porte non pas au niveau des hanches, mais vraiment au niveau du nombril. Par-dessus un blazer, pour cintrer un blazer, par-dessus un pull avec un cardigan, court ou long, les petits looks. Vous voyez les petits looks? Et alors c'est dommage, ils l'ont sorti que dans le noir. Sortez le marron, sortez le camel, sortez le burgundy. Please. Et elle est magnifique. Donc j'avais attrapé un discount chez Mango. Bon, il n'y a pas le prix parce que quand on commande online, il me semble que c'était 25 € avec un discount. Donc voici pour ce premier accessoire chez Mango. Chez Bersuit, j'ai attrapé la dernière fois, je vous partageais ce chapeau que j'avais attrapé sur la redoute. Là, cette fois-ci, j'ai acheté celui-ci, toujours chez la même marque, elle les connaissait probablement. El Corte Inglés. Et évidemment, la petite casquette des femmes. Et donc les issues de secours se trouvent sur les latéralités, à l'avant, à l'arrière de la cabine, sur les côtés. Bon. Bon. Et le dernier, bon, j'ai attrapé le berry parce que la France, messieurs, mesdames, mais la France en laine, chez Zara. Où est l'étiquette? Bon, parce que c'est vrai que là, je ne suis pas vraiment coiffée. Où est le petit look? Pour aller zoner au marché de Noël qui probablement ne va pas avoir lieu cette année. Il est mignon. Bon, il faudrait que je me voie bien comme il faut là, mais dans un vrai miroir. Mais je l'ai trouvé mignon, le petit béret en laine. Voilà, je l'ai trouvé mignon. Donc, c'est sur ces entrechats et en prenant le risque de le retirer. Ouais, c'est grave. Que je vous laisse ici les filles et les garçons pour cette petite vidéo fashion version miniature. Je l'ai dit, j'ai fort à tourner, mais je vais essayer vraiment de... Je ne supporte pas vous faire une promesse et ne pas l'honorer. Je vous avais promis de vous partager les choses dans le corridor, je vais vraiment le faire. Je pense que je vais le faire en série. La série petite robe noire, la série les manteaux, parce qu'il y en a quand même plusieurs, c'est vrai. Elle est pétulouque, elle est pétulouque. D'accord? Et promis sans faute, à la December Fashion, je vous retrouverai avec les essais dans le corridor, les vêtements que je vais vous présenter, porter, etc. Donc, je vous laisse ici pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Je vous retrouve de manière inopinée avant dimanche. Parce que date oblige, timing oblige, on parlait du Black Friday. Et moi, c'est un rendez-vous que je ne peux rater de corps. Donc, évidemment, il a été décalé pour respecter, pour ne pas écraser davantage les commerces, nos commerces qui se meurent, qui sont dans une grande... Là, c'est une grosse crise. Donc, je salue absolument la décision du gouvernement de décaler le Black Friday pour ne pas les abîmer davantage, nos commerces. Je les soutiens de la manière que je peux... vraiment, on essaye à notre échelle de... Mais voilà, les opérations du Black Friday portées au 4 décembre, ça c'est donc vendredi. Je vous retrouve donc avec joie et bonheur vendredi et le dimanche également suivant. Donc vous le voyez, je ne chôme pas en coulisses dans les backstage. Je vous laisse ici pour aujourd'hui avec mon petit Jules, on vous envoie des bibis. Une nouvelle fois, prenez bien soin de vous et je vous retrouve donc tout vite à vendredi. Bye!